film qui me fait pleurer à chaque fois voilà. là je vais passer pour un demeuré mais là pour le coup rocky moi Rocky 2 euh, ouais. rocky 2 à chaque fois le passage où euh, le passage où euh, où adrienne est, euh, est à l'hôpital où elle se réveille et qui dit à rocky gagne à chaque fois je peux pas m'en empêcher je verse ma petite larme il y a, il y a, en fait, il y a deux films, Rocky, comme ça, c'est celui-là, et Rocky, Rocky Balboa. Rocky Balboa. La scène où il est en train de parler avec Polly Dans l'abattoir, il y a Polly qui est en train de faire de la peinture, et Rocky explique voilà, qu'il qu a une bête à l'intérieur, et qui voudrait, euh, qu qu voudrait encore reprendre la boxe, et qui voudrait encore combattre, et tout ça. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film-là. Et, euh, et ça, à chaque fois, et pourtant, je l'ai vu des centaines de fois. Et à chaque fois, ça, ça me fait verser ma petite larmichette parce que je. Ah, Parce que je kiffe. Putain, putain qu'est-ce que je kiffe. J'adore. J'adore. Donc, euh, les gens vont se foutre de moi, mais je chiale devant Rocky. Voilà. C'est comme ça. J'en ai un. C'est La vie est belle. Un film incroyable sur une histoire. Celle, justement, du euh, personnage principal joué par Roberto Benigni, accompagné de son fils, qui se font justement déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et son fils en fait il va lui faire croire pendant tout le film qu'ils sont en train tous de jouer une pièce de théâtre et qu'il n'est pas vraiment dans un camp d'extermination ou de concentration mais justement dans un espèce de cirque une euh, comédie assez euh, dramatique je vais pas vous mentir sur un sujet surtout dramatique c'est un film angoissant, terrifiant, beau en même temps et euh, c'est un film qui m'a vraiment fait pleurer et qui me fait encore pleurer si je le revois et je le revois assez souvent Oh bah, c'est une balle dans la tête, Darkwater, Shutter, euh, mes films préférés, quoi. Ceux qui ont déclenché le plus d'émotions en moi, des films qui vraiment touchent à quelque chose, et je suis particulièrement touché par les films sur le deuil, sur la perte de quelqu'un, sur son souvenir, sur la mélancolie. pour ça que j'aime énormément des films comme Une Belle Fin, comme... Euh... Il y a énormément de films qui m'ont touché, hein. en faire une liste, ça serait un petit peu trop long. Mais voilà, ça serait les, ces œuvres que j'ai citées qui, même si je les connais par cœur, bah récemment j'ai vu Darkwater au cinéma qui avait été restauré en 4K, bah, j'ai beau connaître le film par cœur, bah, j'ai chialé comme une, comme une madeleine quoi. Je dirais, alors étonnamment, c'est First Mission, la scène où Jackie Chan et Samo, voilà se, se battent, euh, c'est absolument bouleversant et ça me fait pleurer à chaque fois. Il ah, y a plein de films qui me font pleurer, il y a plein de films, parce que je suis un émotif, hein, on dirait pas comme ça, mais je suis un émotif. Il euh, y a le, le nouveau monde euh, qui, qui, de Terence Malik. Regardez-le. Euh, on parlait de Toiletteur. Euh, à l'époque je ne comprenais pas. Vous hein. vous mouillez devant Toilette, vous vous mouillez devant le, le, le nouveau monde. Enfin bref, qui a rien sur l'histoire de Procantas. Mais bon, passons, il y a Love Story aussi, que j'aime beaucoup. C'est qui, 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 qui une histoire qui me fait chier à chaque fois. Euh, Eternal Ascension of the Spotless Mind que, que j'ai l'intelligence de regarder à chaque fois que je suis en une séparation douloureuse. L'art de se tirer une balle dans la pied. Et eh ben en vieillissant et, euh, et avec la paternité, il y a un paquet de films qui ont cette capacité en fait à m'émouvoir hum, hein, euh, quand même pas mal. Et donc euh, il ouais, y en a beaucoup. Je pense notamment euh, à un film. ah oh, merde, j'ai pas le nom en tête, c'est avec Robin Williams. Euh... Jack, le film où il est enfant, euh, mais avec un corps d'adulte, où on sait euh, bah, que nécessairement il va mourir quand il aura 20 et quelques balais parce que son corps sera beaucoup plus vieux quoi. Et, euh, et cette fin, euh, ce film, pff, vraiment, euh, vraiment est intense. Beaucoup de films avec Robin Williams, le cercle des poètes disparus. Quand même, euh, c'est dur à la fin euh, de ne pas avoir le cœur serré. Euh, dans, euh, dans les derniers instants du film. Absolument magnifique. Ah, bah là, bah on revient à Forrest Gump. Forrest Gump à chaque fois. Je peux tomber euh, dessus par hasard sur TF1 ou quoi, parce que souvent c'est sur TF1, euh, genre euh, au mois de décembre, et euh, je vais zapper dessus, je vais rester dessus, et ça va me faire chialer. Même si j'ai pas regardé euh, toute l'épopée de deux heures juste avant, je sais très bien que la, la séquence finale, quand il découvre qu'il a un fils, que. Euh, que sa copine meurt du sida et tout tu fais putain moi ça me fait chialer à chaque fois et je pense que la musique de Alan Silvestri elle y est aussi pour quelque chose quoi mais Forrest Gump il euh, y, y a un truc sur moi qui à chaque fois me me fait chialer quoi c'est pas c'est pas genre je vais chialer toutes les larmes de mon corps mais il y a quand même une petite larme à chaque fois qui qui débarque quoi, c'est impossible que je fasse autrement. Alors il y a plusieurs films qui me font pleurer assez facilement, mais c'est vrai qu'il y a un film, je me rappelle l'avoir vu un jour toute seule, et clairement j'étais en larmes à la fin, j'arrivais plus à m'arrêter, ce film c'est Achi et j'en parlais d'ailleurs il y a pas longtemps avec une copine qui me disait elle aussi qu'elle avait pleuré sans pouvoir s'arrêter, vraiment ce film c'est terrible. Oh, il y a Elephant Man. Mmh. Elephant Man. Titanic, Elephant Man, Elephant Man il me traumatise à chaque fois, et Brokeback Montaigne aussi. J'adore vraiment les trois, Titanic, j'ai été le voir trois fois au cinéma, et les Fantman euh, je le regarde une fois tous les 20 ans, et à chaque fois il me fait pleurer, mais pleurer pour de vrai, c'est pas genre je trempe du menton, c'est j'ai les larmes qui coulent et, et je mets un petit moment à m'en remettre. les Fantman, ils, ils me touchent vraiment directement. Et euh, du coup bah Back Mountain aussi, parce que je m'y attendais pas, je m'attendais à un truc, ouais, bon euh, Deux cow-boys homosexuels dans la montagne, euh, où ça risque d'être un peu chiant, et en fait ce film est extrêmement bien écrit extrêmement bien joué, extrêmement bien réalisé. et Franchement, avec Montaigne, c'est une vraie claque cinématographique. La ligne verte, Titanic, la liste de Schindler. Euh, les films qui me font pleurer en mitraillette, on a euh, Baby Driver. Je pleure à chaque fois à la fin, au tribunal, quand à un moment donné, on va aller juger ce personnage qui essaye de faire au mieux tout le temps, mais qui n'arrête pas d'être embourbé en fait dans des, dans des affaires, etc. Mais voilà, et on, on se retrouve avec des parfaits inconnus qui viennent le défendre, et ça, je, ça me fait, ça me, ça me tue de l'intérieur. Euh, on a, euh, je sais pas si c'est très bien en question parce que du coup ça me fait repenser à tout. On a la ligne verte avec le personnage de John Coffey qui, 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 qui est un, un être extraordinaire qui se retrouve euh, condamné à mort euh, à cause de, 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 de la culture raciste de l'époque. Euh, et ce moment où, où lui-même demande à être exécuté alors qu'il y a moyen qu'on le fasse échapper et qu'il demande à être exécuté en disant non mais je, là, en fait la vie elle est beaucoup trop, elle est beaucoup trop dure en fait, je veux que ça se termine. Euh, on a le... Merde. On a Tarzan de Disney avec, euh, avec ce Tarzan qui n'arrive pas à trouver sa place et cette scène avec la mère qui essaye de le... De le, de le... Merde. Euh, de le rassurer en trouvant des points communs qu'ils ont entre eux pour dire non mais regarde on est pareil alors quand même on parle d'un humain et d'un singe donc euh, ça se ressemble pas trop. N'empêche que elle pour lui dire écoute t'es comme nous elle trouve des points communs entre eux et tout. Et... Euh, euh, et après c'est peut-être le moment de se foutre de ma gueule etc mais bon c'est comme ça. Euh, Batman contre Superman et Zack Snyder Justice League dans la le version de Snyder de la Justice League. Euh... Ben je pleure je sais pas combien de fois je veux dire le, le la scène le en 4 heures de film sur Justice League euh, je pleure ah, merde euh, je, je pleure plusieurs fois et pour des raisons différentes en plus je pleure même pas forcément de tristesse. Euh, je pleure, mais de, 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 je suis impressionné par la scène de Wonder Woman dans la banque. Là, à quel point c'est virtuose, etc. Enfin, je, je trouve ça hallucinant et dans, dans le symbole d'avoir une femme comme ça qui déglingue des gars, etc. Enfin, qui, qui, qui surpasse à tout point de vue euh, le, 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 ses assaillants. Euh, J'ai la larme à l'œil parce que je trouve ça ultra beau le, la scène d'introduction de Flash où il y a un accident de voiture et qui va sauver une fille dans cet accident de voiture. Euh, je repleure à la fin avec la scène de Flash où euh, on a Flash qui... Euh, on a la scène de, 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 de... où il va aller courir plus vite que la lumière pour euh, sauver ses amis. Euh, et où pendant qu'il fait ça, il va aller parler à son père et, et où il redit des mots que son père lui avait dit en début de film. Euh, on a... enfin bref je, je, je pleure plein de fois pour des raisons différentes que ce soit parce que je trouve ça beau parce que je suis impressionné ou juste parce que ça me touche ou juste parce que je suis triste enfin je pleure des tas de fois pour des raisons différentes en fait d'ensuite ce... donc voilà et Batman contre Superman pareil avec on a ce personnage de Superman qui, est juste, mais qui ne demande rien à personne il veut juste aider les gens et il se prend des des, 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 des shitstorms comme pas possible il y a, il y a la moitié de l'humanité qui l'aime et qui est prêt à en faire un dieu alors qu'il ne demande pas ça et on a l'autre moitié de l'humanité qui, qui est prête à le, le, le cramer sur un bûcher alors qu'en réalité il veut juste les, les aider bref c'est un film qui me qui me qui qui pareil, encore une fois qui me déchire le cœur et qui me fait pleurer alors écoutez euh, dernièrement j'ai eu la chance de me revoir un film que tout le monde a vu parce qu'il est passé 50 millions de fois à la télé euh, simplement Spartacus. Spartacus, quand je l'ai revu, il m'a ému. Et d'ailleurs, il m'a ému comme jamais, je me fais vieux. Euh, c'est pas faute de connaître l'histoire. Quand j'étais gamin, il m'avait énervé. Hein Genre parce que les gentils, entre guillemets, perdent. Euh, là, enfin, euh, cette fois, aujourd'hui, non, je vu il y a deux semaines, il m'a ému profondément. Et euh, pour certains, voilà, c'est un petit film. Comme euh, Kubrick euh, lui-même euh, a l'air de le rejeter, bah, les gens, ils disent, ouais, bah, moi aussi, en fait. Moi, je trouve que c'est un film incroyable. Et. Euh, et qui a une puissance dans son message, certes, hein, euh, basique, hein, pour, que, pour que le message passe bien, faut il faut qu'il soit basique, mais bien fait. C'est-à-dire basique, pour que tu puisses facilement euh, l'attraper, mais bien fait, pour qu'il soit puissant. Simple, mais puissant. Et, euh, et pour moi, ça fonctionne très très bien. Toute la fin m'a touché violemment, et pourtant, c'est pas comme si j'avais pas vu ce film, déjà, une bonne dizaine de fois, je pense, aussi. <laughs> c'est un des films que j'ai le plus regardé de ma vie, donc, euh, donc voilà. Tout simplement, Spartacus.